Donc aujourd'hui, nous devons nous localiser. La réponse que nous avons écoutée, l'évangile est claire et c'est celle-là. Et avec l'évangile qu'on est déjà rassasié de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Et ce discours de Jésus tient avec lui ou d'elle pour lui expliquer le baptême, la vie éternelle. C'est là que Jésus fait sortir cette belle phrase. Vous voyez, Dieu ne peut pas ressusciter quelqu'un si en lui il n'y a pas d'amour. Parce que Jésus est l'amour de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a ressuscité. Mais si nous portons le mal en nous, Dieu ne pourra jamais nous ressusciter. Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, le mot aimé. Et on dit à une femme, on dit à un homme que ton frère est en lui là, c'est vrai. Elle n'a pas notre nom. Tu vas m'envoyer au mari, tu vas le conseiller, tu fais tout ton argent. Tant que tu n'as pas dit je t'aime là, tu n'es pas arrivé. Est-ce que c'est vrai? Amen. À qui on n'a pas dit je t'aime? Jésus ne va passer par deux mesures pour montrer l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Quand tu es ma vie, cher, et je t'aime, je te l'aimerai. Voilà. Donc Jésus est l'amour de Dieu. Voici pourquoi Dieu l'a ressuscité. Celui qui croit en lui, il aura la vie éternelle. On a la vie éternelle quand on est ressuscité. Si nous ne portons pas l'amour en nous, c'est fini. Alors, la Sainte Trinité nous donne de contempler l'union hypostatique, c'est-à-dire qu'un seul Dieu en trois personnes. Et les trois personnes fonctionnent ensemble. Faire de qu'un bouge, ce que l'autre est en train de faire, tout le monde est autour. Prions donc à notre image, voyez, en ce testament en l'unité de la Jeunesse. Créons l'homme à notre image. Si tu étais seul, j'allais dire, je crée l'homme à mon image. Mais créons le verbe faire qui est conjugué à quelques personnes. Oui, bien, c'est nous, c'est la première personne du plus vert. La petite a une jeunesse. On dit plus vert, au moins, il y a deux personnes. Et en eux, il y a un foyer d'amour. Dans l'union de prostatique, se décrit pour nous le grand foyer d'amour de Dieu. Mais quel est ce foyer d'amour? C'est sa vie de communion, c'est ce que Saint Paul nous introduit à la finale de ce texte. La communion de l'Esprit Saint. La communion de l'Esprit Saint. Dieu qui fait tout avec nous. En même temps qu'il nous parle, en même temps il se dévoile. En même temps il monte son temps. En même temps il monte qui il est pour nous. Dans ce grand foyer d'amour, nous avons aussi la vie de partage. Dieu est distancié. Et il a dit de donner à tous les deux. Il nous donne sa grâce, ses bienfaits. Il nous donne son intelligence, sa sagesse, il distribue, il partage. Dans ce grand foyer d'amour, nous avons aussi la vie d'unité. Dieu ne suscitera jamais des trois autres personnes. Et même Jésus, avant de mourir, Père, en permet, je le mets dans l'esprit. Dieu n'est pas appuyé, il n'est pas appuyé, il n'est pas désordonné. Il a dit, dès le moment que leur unicité est forte, le mal ne peut pas s'inviter. C'est nous qui sommes divisés. Nous, dans notre vie, tout est désarmé. Et le mal a la capacité de nous dissuader. Mais Dieu fait en sorte de nous dissuader sa vie. Et nous parle en fils, nous parle en son esprit saint. Que celui qui a des oreilles, qui n'a pas. Dieu